l'ambiance est tout à fait naturelle. Parce que vous allez constater que quand nous regardons au ciel, on voit bien les étoiles, la lune, le soleil. Et si on regarde autour de nous, les arbres aussi font tomber les feuilles. Et chaque année, nous venons pour une séance de purification, c'est une séance de prière, pour se remettre en cause. C'est un élan que nous prenons toujours. Le vieil homme, sinon l'ancien homme, et faire vaincre. Êtes-vous satisfait de ce rituel? Vous savez que c'est un rituel que nous on a trouvé, que les ancêtres ont mis en place. Nous on ne fait que exécuter, mais nous savons que c'est salutaire. Sur quel signe placez-vous ce rituel? Sur quel signe? Ce rituel, c'est d'abord l'eau. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est le bon sens. L'eau a une force, elle est toujours douce. Quand elle n'est pas canalisée, elle ne casse pas. Est-ce qu'il y a encore autre activité que vous allez célébrer? Oui, nous avons une grande activité en janvier. C'est la disparition de Watua et la naissance de Watua. Nous serons à Kintawa du 16 au 17 janvier 2021. Et quel est votre dernier message avant de des fidèles? Le dernier message, c'est que nous devons nous remettre en cause pour que tout ce que nous avons fait de mauvais, on ne le reprenne plus, que nous allons de l'avant. Et nous disons le terme de l'année prochaine, justement, c'est que je me suis en confection avec la foi, mais je pense que moi, être meilleur que la personne que j'étais hier.